avec. L'autre point dans l'actualité, plusieurs membres communauté haïtienne et autorité américaine te répondent présent dans une rencontre communautaire que l'organisation Femmes haïtiennes dans Miami te mette sous pied hier soir dans le centre culturel haïtien dans T-Haïti, Miami, pour détailler une stratégie pour faire pression sur l'autorité dans Washington qui a décidé de renouveler TPS, statut protection temporaire pour 18 mois tant que l'État haïtien réclame dans une lettre que l'ambassadeur haïtien dans Washington, Paul Altidor, voyait. Et Serge François Michel, tu es présent pour La Voix de l'Amérique dans l'occasion. Depuis 7 à 20 ans, qui est Simon dans le pays, qui est Simon dans l'école élémentaire, l'école secondaire, et puis tout le monde là, professionnel qui vous travaille qui vit ici, pour nous demander, pour taquer vers ici, pour la. Plusieurs familles qui dans le programme TPS là étaient présentes dans la rencontre là. En pile attention, c'est son ancien député démocrate dans le Congrès américain, Joe Garcia, qui est là. Yon famille, papa, maman, a petite fille 10 ans, et présenté doléances, qui donc expliquait qui j'en yon séparation entre parents qui gagne TPS là, avec petite fille qui fête dans le pays, t'a désorganisé famille. Nous vraiment pas intéressant, après le stade, que c'est déception ça que nous pensons que le gouvernement a fait vous voyez nous là nous on fait pas de solution. Directrice exécutive femme haïtienne à Miami, Marlène Bastien, te présenté un projet pour organiser un gros marche dans le Congrès états-unien dans Washington 24 ou bien 25 octobre cap venir et t'a demandé patronage pour organiser voyage ça pour plus monde possible t'a fait déplacement 16 octobre, Cap Vinian, projet a une manifestation dans Internet sur Twitter pour chauffer sénateur Bill Nelson avec Marco Rubio pour yon ka voter en faveur yon loi pour prolonger TPS là et peut-être même faire moun qui gagne TPS yon bénéficier yon statut permanent. Après rencontre là, nous avons eu l'occasion de parler avec Madame Bastien sur Jean-Li évalué réunion qui s'est faite là. Séance de travail, moun yo vini, bien que c'était short notice. Directrice exécutive, femme haïtienne en Miami, Marlène Bastien. Femme TPS ou bien TPS pour haïtien yo à bout 22 janvier. Et dans le mois de novembre, gap vini en ces dates pour gagner une décision pour connaître si oui ou non, président Donald Trump a renouvelé. Serge François Michel, Miami, Floride.